Salut à tous, aujourd'hui on va les spec la Corée en Iron 4, il y a le Fer 4. On dit que la Corée c'est là où il y a les meilleurs joueurs, mais est-ce qu'il n'y a pas les pires joueurs aussi? Ma théorie c'est plus il y a de joueurs dans un serveur, plus il y a de gens bons, mais plus il y a de gens mauvais. En EU West, il y a 2 millions de joueurs classés, et en Corée, il y en a environ 3 millions. Plus de joueurs, donc plus de meilleurs joueurs, mais peut-être plus de mauvais joueurs. Alors, je rappelle, je n'ai pas de compte en Corée, donc je peux pas spec une game. Donc, on va devoir trouver une game en live via OPGG. C'est parti. 4 jours, 6 jours, 4 jours, 1 heure. Il fait que des arames. Match classé. Match classé. Oh putain de sa mère. Vite. Donc, même s'ils sont Iron 4, 0 LP les gens, ils jouent souvent avec du Iron et du Bronze. Et là, on est en Corée et c'est un match classé. Nico mid, allez, hop, on se met comme ça. Alors, au niveau des runes, vite fait. Irelia jungle. Waouh. Ah ouais. Ouais, c'est chelou ça. Bah, elle est en 1-0-2 et elle est en train de détruire la gamme apparemment. Elle a un très bon farm. Ouais, ok, d'accord. Irelia jungle, smurf. Bah, Irelia jungle, 1-0-2. 80 CS à 9 minutes. Vas-y. La Nico, elle a 5-0, sauf qu'elle a 25 CS. Putain, elle devait être insane la game et je peux pas aller. Je peux pas retourner au début de la game. Attends, mais le FLO, ça a l'air de savoir jouer là. Mais attends, mais ça a l'air de savoir très très bien jouer là quand même. C'est ultra agressif. C'est des fous furieux. Ils sont tous en train de se suicider pour des kills. Ok, bon, elle était blind. Ok, là, c'est un peu étrange en vrai. Hein. L'APM des joueurs est vraiment bon là pour l'instant. Mais what the fuck? Mais il est complètement taré lui. Bah, tu R, il est. Ah, d'accord, t'as déjà R. Ok, ça c'était bizarre. Bon, la Nico très très agressive. Mais ça joue, putain! Je comprends pas, j'ai regardé une game de flex, le niveau était catastrophique. Et là je regarde une game de ranked, le niveau est incroyable genre. Comme quoi, ça veut rien dire en fait. D'une game à l'autre, en fait, on pourra jamais noter le niveau d'une game en une seule game. Il faut tellement plus de games. Et il faut que ce soit encore une fois, je répète, le métier de quelqu'un. Là ce qu'on est en train de regarder comme niveau n'est pas représentatif du niveau du serveur. En tout cas, ça ne peut ne pas l'être. Mais là, ça joue très très bien. Genre, le FLO, c'est un monstre, en fait. Les deux là, ils se mettent une patate. Moi, c'est le farm d'Irelia qui me fait très peur, en fait. Je trouve ça affolant. Alors, est-ce qu'elle elle a fait que ça? Mais j'ai l'impression qu'elle... C'est le FLO, ce que je trouve très bizarre. Il m'a l'air... Oh, il est en 5-1-1. Ouais, non, il m'a l'air très bourrin. Putain, la Nico, elle a faim. Hein. La Nico, je comprends maintenant pourquoi elle a très peu de CS, la Nico. Elle veut juste se battre, en fait. Ah ouais, elle est en 6-1. Elle est en mode, je vais en profiter pour exploser la game, ouais. Ça donnerait presque le goût de jouer Nico, elle. Non, là, no joke, le niveau est... Il est stratosphèrement... Ce mot n'existe pas. Très différent, genre. Très bizarre. Le problème, c'est que tu regardes la différence entre Nico et l'ADC. Ils ont le même KDA, presque. Les mêmes kills, on va dire. Mais bah, y a 50 CS de différence, quoi. Ah, elle fait 0 dégâts, la Nico. Elle a même pas fait son ultime. Ouais, ça c'est bizarre ça. Non, le FLO, je pense qu'il smurf. Ça m'étonnerait qu'il représente le niveau, encore une fois, du truc. Hâte de voir le... Parce que la flex, je veux bien qu'il y avait des gens... Parce que c'était un gold. Je m'étais trompé, genre, parce que c'était une flex. Je savais pas qu'il y avait un gold dans la game. Mais encore une fois, j'ai l'impression que... En Corée, comment ils font des smurfs en fait? Ils prennent le numéro d'assurance social de leurs parents, genre? De leurs frères et sœurs qui jouent pas? Je sais pas trop comment ça fonctionne. Ok, ça c'est la Nico qui bait. Pour moi, plus il y a de gens sur un serveur, plus il y aura de gens bons.
mais plus il y aura aussi de gens mauvais. Donc là, le niveau, il sera peut-être très très différent, quoi. Oh, le slow. MDR. What, quoi? Mais pourquoi vous regardez pas les objets? Pourquoi vous prenez pas les objets conseillés, en fait? Non, mais le pire, c'est qu'il est en train de me dire que c'est en train de fonctionner. Putain, non! Ils sont en train de faire un bus, hein. C'est un jeu d'équipe, premier qui groupe, là. Ah bah hello, hein, c'est pas compliqué la macro, hein. C'est tu groupes, tu gagnes. Hein. C'est bon, c'est juste le premier dragon à 18 minutes, là. J'ai cru que c'était un bug d'affichage. Ah ouais, 19 minutes, un dragon. Ah ouais. Ok. C'est pas beaucoup, quoi. Ah. Pour l'icône sur la carte du truc. Oh oh oh, oh oh oh, faut ult très vite. W qu'il a même pas sauvé. Non, Aphelios. Suspicieux. Le reste joue franchement correctement pour ce que j'ai pu voir de la flex en Corée. Mais le Aphelios, non, il est au-dessus. Faudrait qu'on regarde son compte. Peut-être de la duo Q boosting là. Ah c'est ça, il fait... on est d'accord, il fait pas de dégâts le Kled. Ah bah Kled tank. T'as ton ultime toi? Ah non, il te reste 5 secondes là. C'est bizarre, la Nico elle était en 6-0, 5-0, boum, 7-4 et elle a 48 CS à 20 minutes. Pour moi c'est ça en fait le niveau d'un bronze iron. La Irelia? Non mais mec, la Irelia à 192 CS à 20 minutes. Elle fait juste farmer la Irelia, je pense. Après, la Irelia, je dis pas qu'elle joue bien. Hein. Je dis juste qu'elle farme énormément. Et bon, vu que son équipe est parfois peut-être un petit peu devant au début, elle en a peut-être profité. Même si là, elle vient de faire un kill quand même. La Irelia est pas optimisée. C'est pas parce que vous voyez un bon KDA et des bons CS que c'est un gigantesque smurf là. C'est plus le Aphelios qui joue vraiment bien parce que son farm est pas si dégueu. Et il fout vraiment la merde, c'est un peu le seul à foutre la merde dans la game quoi. Presque dead. Ah. Ça c'était bien joué le red trinket pour voir la silhouette et tout, c'était bien joué. 600 gold ici. Ok, 600 gold par... Non. Ah non, il valait rien de plus lui. Ok, ouais non ça c'était pas ouf. Le rappel d'Elise, malheureusement, on aurait dû se transformer le cocon et le one-shot. Après, le Zonia est vraiment bien. Le Zonia était bien. C'est bien, bien, bien. Un tout petit trou. Les Irelia qui flash pour un mec en 0-6. Plus de flash contre Aphelios, bon. Donc je pense qu'en effet, Irelia pas très opti. Qui est très suspicieux. Après oui d'accord, la Irelia est quand même en mode full farming, donc c'est particulier. Ah, ça picote Irelia quand même hein. Mais là Irelia aurait vraiment fait triple kill si elle était vraiment un smurf là. Là ça se voit que le mec se concentre beaucoup sur le farm. Ça reste un petit smurf. Je pense pas qu'un bronze iron puisse faire autant de CS. Bon c'est bien, elle a quand même pris un truc pour réduire l'armure. Pour les dégâts. Ah, tu te fais toucher une fois, t'es fini. Hein. T'es fini. Faudra faire attention la Irelia. Non, mais en fait, vous voyez le problème, c'est que la Irelia fait juste farmer en fait. Donc là, elle est contente, elle va dire regardez, j'ai 234 CS, lol. Elle fait juste clear et elle est jamais là en fait. Alors que la Elise est tout le temps là pour se prendre plein de trucs et tout. Et le problème, c'est que l'équipe d'Irelia doit se prendre tout dans la gueule et elle a rien. Et du coup, elle sauve son KDA et elle a un bon CS quoi. Gameplay, malheureusement. Très égoïste. Là, regarde, si elle était là. Là, il a Irelia, si elle vient, mais... Il gagne, en fait. La Irelia, si elle arrête de farmer comme une débile... Là, la Irelia est mid, hein. Elle farme, hein. La Irelia ne vient pas aider son équipe, hein. Ok, ça doit être ultra toxique dans le chat, là, en fait.
Je sais pas ce qui s'est passé, mais là, la Irelia... la Irelia, je comprends pas, là. Ils font le baron. Non, mais vas-y, la Irelia me tilt. La Irelia me tilt à faire juste farmer. Son équipe se bute pour essayer de gagner. Ah là 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 là. Allez Zaira, allez Zaira, t'as fou plante là. Ult. Oh là 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 là. Irelia ici, la game est finie genre. Si l'équipe bleue perd... Je joue même pas au jeu, je suis tilt de voir Irelia genre. Est-ce que ce mec fait exprès? C'est impossible que ce mec se dise non là je vais farmer. Non non non, là, regardez, il back. Il aurait pu prendre la tour au moins genre. Il fait exprès, ça me tilt de ouf. Je suis pas bien, je suis pas bien. Si au moins, alors après, j'ai pas regardé le chat. Après je sais pas ce qui s'est passé dans le chat. Est-ce que les 4, est-ce que les 4 ont insulté Irelia en mode ton pick c'est de la merde, etc. Ils sont giga toxiques. J'avoue, on n'a pas l'histoire derrière. Mais sans histoire, bordel que ça fait-il quand même. Hein. Donc j'espère qu'il y a une histoire derrière, sinon c'est vraiment... Putain, League of Legends. Aïe, 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 aïe. Oh. Ça joue bien, c'est bien. J'aime bien jouer. 300 CS pour Irelia, XD, c'est trop drôle. Ouais, elle fait juste ça. Alors, attendez. Peut-être que la Irelia est ultra confiante. Même si, bon, j'ai pas vu... la Nico qui se fait fumer par un ami. Peut-être que la Irelia est ultra confiante. Elle veut juste farmer et tester ses objets. Mais bon, normalement, tu fais ça en normal game. Tu fais pas souffrir tes joueurs. Qui vont peut-être FF mental à un moment donné. La Irelia est bientôt full build. Attendons de voir si, quand elle sera full build, si elle va jouer enfin, genre. Ah. Ok, ça joue, ça joue, ça joue, ça joue, ça joue. Ça reste que, évidemment, ils auraient pu gagner il y a 10 minutes. S'ils groupaient une fois. Ah, le niveau est très bizarre quand même. Non, c'est bizarre. Non, c'est bizarre. Oh là là, non, 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 non. Elle fait... Ah, je sais même pas si elle troll ou elle pense qu'elle fait bien, genre. Non, 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 non. Non, 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 non. Si elle pense vraiment bien faire, c'est vraiment l'opposé à chaque fois, genre. Non, je pense qu'elle se concentre vraiment sur le farm. Oh, t'imagines, je vais voir son OPGG. Toutes les games, il fait ça, le gars. Genre, il a full CS, bon KDA. Mais vu qu'il aide jamais son équipe et qu'il joue presque jamais, il perd toutes ses games, genre. Et c'est pour ça qu'il est là. Oh, imagine, c'est son gameplay, putain. Je vais me sentir très très mal à l'aise. Ah, ah, elle est full build en plus. Elle continue à faire juste farmer. Elle est niveau 18. Full build et fait rien. Je t'en supplie, arrête. Est-ce que t'es en train de farmer pour tes bots? Pour changer tes bots en un truc? Ah oui, t'as deux objets de plus que lui en fait là. Ça serait bien de commencer à jouer. No joke, je me sens pas bien. T'as envie de lui mettre des tartes, genre, mais joue! Joue, bordel! Si il repush et il se barre, genre, mais bon, là, oui, il doit attendre son équipe, mais. Go speed push, genre. Pourquoi il prend le farm? Pourquoi il prend le farm? Il est full build! Level 18, laisse à tes potes! Il y avait même pas besoin de push ici. Attention, Zaira. Oh non, elle continue. Elle continue. Elle marque là, bah oui. Oui. Bah, est-ce qu'elle va vendre ses bottes? S'il te plaît, vends tes bottes, achète un objet et dis-moi qu'il n'y a plus d'excuses. Allez, vends tes bottes, non. T'as combien là? T'as 2500, t'aurais 3000. Ah non, vraiment, tu... C'est bon, t'es full bill, quoi. Oh, s'ils perdent, je vais péter un câble. Je vais péter un câble. Ah, elle se donne tel... Non, la Irelia fait exprès. Non, la Irelia n'y va pas. Ok, c'est bon, elle a enfin joué, putain. Oh, j'ai cru qu'elle allait pas vraiment y aller, genre. Elle a attendu, hein. Elle y est allée au pire timing, en vrai. Hein.
Le Graves aussi, hein, des fois là il est pas vraiment là. Mais lui c'est parce qu'il a tellement de retard, il a pas de kill, donc il a raison. Lui il a une excuse pour le coup. On va aller prendre cette inhib pour Nico. Je serais trop dégoûté parce que l'équipe bleue donne tout en fait. Le jungler prend tout le farm. Il prend tout. Et il fait rien. Mais je pèterai un câble. Ah dommage le Q. Elle rate beaucoup de Q la Nico, c'est dommage hein. Oh non, non Nico pas comme ça. C'est bon, il va se faire tuer. La Nico est morte par les minions, je suppose. Ou une tour. Ce n'est plus très étonnant. La game est très 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 serrée. Il y a 200 gold d'écart. Pour une game de 35 minutes, c'est extrêmement rare. Ok, le red buff, je veux bien. Si tu prends ce camp-là, je t'explose la gueule. C'est bien. Ah, là, si elle prend un camp, c'est du trolling. Hein. C'est du giga trolling. Hein. Ouais, la Q, le gros. C'était peut-être trompé. Non, il y a un dragon, Irelia. Ok, allez. Allez, c'est pas grave. On arrivera peut-être pas. Non. Bon, après, le dragon est naze. Hein. En vrai, le dragon est naze, mais elle aurait pu le trade pour, je sais pas moi, au moins push la wave top. Leur voler le red buff. Elle est en train de clean sa jungle, quoi. Niveau 18, full build. Ça rend ouf. J'espère vraiment que c'est un joueur qui joue tout le temps comme ça et qui fait pas tout pour rendre fou son équipe en fait. C'est un supplice de regarder cette game. Oh là là, ça me met mal à l'aise. Ça, franchement, c'est irritant. Non mais là, ah putain, mais push ta grand-mère, je t'en supplie. Fais un call baron, fais je sais pas. Non. Ah, il a envie de faire son petit record personnel de CS. Mais toute son équipe est en train de mourir à l'intérieur d'eux, genre. Ah, j'ai failli lancer une game de LoL aujourd'hui, mais... Je me tape cette Irelia, Ah, attends, la Irelia est en train de push top. Mais prends l'inhib, du coup. Non, oui, t'as raison, il y a les golems. Je vais casser un truc. No joke, j'allais dire j'ai envie de l'ajouter en ami. De faire un Google Translate et de lui demander pourquoi t'as joué comme ça genre. Parce qu'elle était en 2-0-1 au début de la game. Je vois pas quelle situation elle aurait pu tilt ou je sais pas, genre c'est trop bizarre. Score de vision en passant, très bon. 80 pour Nami, c'est très bien. Même pour Zyra, c'est très bien. Pour le reste de l'équipe, c'est très bien aussi en vrai. En vrai, de vrai, tout le monde a un bon score de vision. Attends, j'étais en haut à droite. Franchement, je n'arrive même plus à regarder la game avec la Irelia. Je veux que la game se finisse. Oh putain. 40 minutes la game à cause de Irelia. Hey, groupe, une fois, la game est finie. Oulala. Oulala, Ezreal. Oulala, Ezreal, tu es mort. IR, tu es mort. Ils vont perdre la game. J'ai un très mauvais pressentiment. Ils vont perdre la game, la Irelia joue pas. Ok, la Irelia push et il n'y a pas de camp à la top lane. Continue Irelia, je t'en supplie, continue Irelia. Il cancel les backs. Dommage, ça touche pas. Est-ce qu'elle a un ultime? Elle se fait one shot. Elle avait pas d'ultime anyway. Les Irelia back. Non c'est bon, on va se faire foutre. Non je vais aller chier là. Putain mais c'est toujours pas fini, t'es pas sérieux là. La Irelia toujours en 10-4-4 hein. Ok, elle vient de flash. Le mec en 2-11, let's go. Tout va bien, la game 42 minutes, c'est extrêmement bien, j'adore la vie. Allez.
Non mais je suis bien content parce qu'il n'y a pas qu'en NA que c'est vraiment de la merde quoi. Cette vidéo devrait être un défi en mode arriveras-tu à la regarder jusqu'à la fin genre. La Irelia me rend fou mais vous rendez pas compte en fait. Oh, en plus elle prend tous les CS, elle en laisse même pas un, elle est full build de chez full build. Elle a 7000 gold dans la poche. Non mais, oh putain, c'est... Je veux que ça s'arrête, je veux que ça s'arrête. La Irelia vient de clear évidemment le bot side de la jungle, je n'ai plus besoin de vous dire ça. Kled, t'aurais pu ult peut-être, non, ok. L'équipe bleue, ils donnent tout, c'est... Je veux pas qu'ils perdent. Hein. La Irelia, je m'en fous qu'elle gagne ou perde, parce qu'elle s'en fout de la game en fait. Elle fait son petit truc en ranked là. Je veux que l'équipe bleue gagne parce qu'ils méritent, ils donnent tout genre. Ils sont avec quelqu'un qui prend tout en plus. Oh là 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 là. Non mais c'est un supplice, c'est un supplice. Finissez cette putain de game. J'ai envie d'altab et de revenir à... J'ai peur, la game peut faire 1h30 en fait les gens. Merci Nico. Merci Nico. Alors, non, là, non, c'est pas une bonne idée ça. Oh, t'avais plus beaucoup de points de vie. Oh putain. Oh la Irelia, non, je... Ah! Ah! Je vais canner! Ah, j'ai envie de crever là. Ah, ils ont la soul. Si l'équipe bleue perd, je spectate même plus une seule game en fait de ma vie. Irelia, t'as intérêt à putain de défendre cette game. T'as intérêt à te prouver que t'es en train de smurf et tu te fous de la gueule de tout le monde là. Et que tu vas gagner cette game et que t'as pas fait perdre 50 minutes à l'équipe bleue. Je vais exploser un truc. Je vous jure, j'ai pas joué la game. J'ai envie d'exploser le jeu, genre. 118 games, 21% winrate. Ce mec fait exprès de perdre. minutes, 8,4 par minute. Il fait ça toute la journée. La game qu'on vient de voir, ce mec là, c'est son délire tous les jours. Il fait ça 10 fois par jour minimum. Il fait en sorte que la game dure 40 minutes. Il aide pas son équipe. Il farm et prend tous les kills, toutes les miettes. Et il fait tout pour qu'il perde. Comme ça, il n'y a pas de shutdown en face. Il joue jungler la plupart du temps. Comme ça, ils ont pas les objectifs, ils ont pas les dragons. Ils sont sûrs de pas gagner le late game. En tout cas, eux en face, ils ont peut-être la soul et tout. Il n'y a pas de shutdown, etc. Vu qu'il prend tous les kills et tout, il y aura toujours un avantage au goal limite pour eux. Oh la vache. Il fait ça en ranked 10 fois par jour. Je suis dans sa game, je suis bronze iron. Je pète un câble. Il m'a miné, genre, je viens de me réveiller. Il était 9h du mat, je regarde sa game d'une heure. Là, il est 10h. Je suis perdu. J'ai plus envie de vivre cette journée, genre. Ah, moi, je vis... Très très bien depuis que j'ai arrêté. Hein. Ah, c'est bizarre. Bizarre. Allez, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.